À la frontière entre la figurine et l'art contemporain, ce sont les Art Toys. Ces statuettes d'artistes et designers sont fabriquées en édition limitée et font fureur chez les collectionneurs. Zoom sur cette tendance colorée et originale. Ils en ont l'aspect, la taille, la couleur, mais sous leur apparence ludique, ces figurines ne sont pas des jouets, ce sont des objets design décoratifs qu'on appelle communément Art Toys. Et ils font fureur chez les connaisseurs du monde entier qui s'arrachent ces éditions souvent limitées sur Internet ou dans les magasins spécialisés. Le principe du design Art Toys, c'est qu'on a des artistes qui font des figurines et qui vont se servir du support figurine plastique comme un nouveau moyen d'expression, un nouveau moyen pour montrer leur création. Création que l'on retrouve aujourd'hui un peu partout. Certaines grandes marques ont fait appel à l'univers graphique du Art Toys pour communiquer, à l'instar de groupes de musique alternatifs comme Uncle ou Nerd. Mais d'où vient ce phénomène ? Tendance O vous dit tout sur ce nouvel objet de collection en vogue. La polémique sur ses origines précises est toujours d'actualité. Hong Kong et Tokyo se disputent la paternité du mouvement et même les spécialistes n'arrivent pas à trancher. Ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que la tendance est née à la fin des années 90 sous l'influence de divers artistes venus de milieux très différents. Alors à l'initial, le designer toy, c'était vraiment de la création pure, c'est-à-dire des artistes qui faisaient un dessin d'un personnage et qui décidaient de le transposer en 3D. Donc sur un support plastique, voilà. On a des artistes qui viennent tout autant du graffiti, de la mode, du web design, de la peinture, du lobro art. Il y a plein de courants différents en fait qui vont converger sur ce nouveau support média. On va dire que c'est des artistes, donc voilà, c'est ça le point commun. Dans ce milieu hétéroclite, certains artistes font figure de star comme Michael Lowe, précurseur du mouvement. L'artiste américain très en vogue Coz fait aussi beaucoup parler de lui, avec des créations pouvant atteindre plusieurs mètres de haut. Retour en France. Depuis 2003, une société de production d'artistes ainsi qu'une boutique ont vu le jour à Paris. Peu connu du grand public, on peut se poser la question, le Art Toys, un truc de geek ? On est geek mais on l'est pas, on est pointu et en même temps on l'est pas non plus. C'est-à-dire qu'on plaît autant à l'ado qu'aux jeunes adultes, qu'aux parents. Les meilleurs clients de la boutique aussi, il faut que ça puisse paraître, c'est des gens qui ont plus de 60 ans quoi. Le principe de ces produits, c'est qu'ils s'adressent à un public de 14 ans et plus, minimum adolescent. Pour une bonne et simple raison, c'est que ces produits sont produits en très courte série et que ça coûterait excessivement cher de les faire tester pour savoir s'ils pourraient aller à un public d'enfants. Ce qui explique la diversité du public, c'est certainement la richesse des modèles proposés. Certaines séries sont inspirées de l'univers du jeu vidéo ou du dessin animé, mais d'autres figurines moins conventionnelles viennent d'artistes qui ont créé leur propre univers. Ça, c'est le Chaos Monkey, donc c'est le premier personnage que j'ai designé avec Art Toys. On a décliné toute une série de coloris, produites chacune en quantité limitée, parce que ça s'adresse quand même aux collectionneurs. Il y avait la version customisable, donc toute blanche, dont pas mal d'artistes dans le monde en ont fait leur version. L'avantage du design toy, c'est que tout le monde a voix au chapitre. On peut en effet s'en procurer à customiser soi-même et laisser sa créativité s'exprimer en solo ou lors d'ateliers spécialisés. Ainsi, on peut découvrir le travail accompli par tous les designers. Je suis tombé sur des dizaines, voire des vingtaines de versions de mon personnage, mais à la sauce d'autres artistes. Et alors là, c'est génial parce que certains sont beaucoup plus doués que vous et en font des pièces phénoménales. C'est gratifiant et puis c'est carrément sympa sous cet angle-là. C'est appréciable. Vendus entre 3 et 300 euros sur le net ou en magasin, les prix peuvent vite grimper en fonction de la notoriété du designer et du caractère limité de l'objet. Certains travaux de Coz peuvent ainsi atteindre les 10 000 euros. Un spécimen qui n'a pas de prix, le design toy tendance O customisé par Bunka, un lapin ultra looké et unique au monde.